Et salut à tous les amis, c'est Iso, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Buckshot Roulette pour la suite, pour la mise à jour qui est sortie il y a quelques semaines. J'avoue, je suis toujours en retard, rien que pour le jeu en lui-même j'étais en retard déjà. En live vendredi, vous m'avez tous dit qu'il y avait une autre version de Buckshot Roulette en plus que j'ai fait avec Crony. Donc n'hésitez pas à aller voir, enfin à aller revoir la rediffusion, elle est disponible sur la chaîne. J'ai donc installé cette nouvelle version qui met quelques nouvelles choses mais pas non plus énormes. Mais c'est quand même très cool d'essayer. Et avant qu'on commence cette vidéo, vous pouvez désormais et dès maintenant rejoindre la chaîne YouTube, comme dirait McFly et Carlito, souscrivez à un abonnement. Car maintenant c'est officiel, j'ai ouvert enfin un abonnement sur ma chaîne, vous pouvez du coup y aller, vous avez justement des suppléments pour ceux qui sont abonnés. Vous avez des avant-premières des vidéos, donc par exemple pour ceux qui attendent beaucoup la partie 3 de l'histoire de FNAF, et bah imaginons je la sors un vendredi, et bah pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez la voir le jeudi à la place du vendredi. Vous l'avez un jour avant les gens. Et surtout, je tenais à remercier ces 3 personnes qui ont déjà rejoint la chaîne dès vendredi soir en plein live. Je l'ai vraiment créé en live. Merci beaucoup à vous. Je vous fais apparaître dans la vidéo parce que sinon après, si je vais lire vos pseudos, ça va être un désastre pas possible. Donc on va éviter. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ça me fait énormément plaisir. Ça me prouve que des gens veulent vraiment que j'arrive au top du top. Merci beaucoup à vous. Vraiment. Et bien sûr, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche des notifications pour du coup recevoir la notice de toutes mes prochaines vidéos. Et on est parti, let's go. Encore. Ok, nous sommes du coup partis. Donc on peut prendre ce truc là. Donc pas recommandé pour la première plane. Ouais bref, vous avez compris. On va quand même dire yes. Donc je sais plus vraiment, pas vraiment à quoi ça sert, mais donc pour ceux qui savent, vous me dites. Donc nouveauté déjà, il y a le mec qui était là, il est pas là. Donc on peut directement aller voir le dealer. J'ai de l'eau sur moi, c'est quoi ce bordel? Ok, donc là en fait la nouveauté c'est qu'on peut, si on veut, doubler ou pas. Donc t'inquiète pas, on va signer. Donne-moi ta feuille. Et c'est parti. Je m'appelle Anus. T'as un problème peut-être? Ok, première game, c'est parti. Je vais vraiment essayer de jouer intelligemment comparé à la dernière fois où je faisais n'importe quoi. Donc la nouveauté, directement, on a des items. Donc j'ai une loupe et un paquet de clopes. Ok, donc déjà, ça commence bien. Ça, pourquoi je me souviens plus comme ça, moi? Donc 4 vrais, 3... Ah non, 3 vrais, 4 fausses. Donc lui, menottes, cigarette. Donc lui, s'il veut, il peut jouer avec moi et faire de moi sa grosse pute. Et s'il veut, il peut soigner. Moi, je peux tricher, voir la balle qui est dans le chargeur et me soigner avec un paquet de clopes, alors que dans la vraie vie c'est l'inverse, ça vous tue. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là je pourrais, si je veux. Donc on a 3 vrais, 4 fausses. Donc j'ai plus de chances de tomber sur des fausses que des vrais. Mais il faut pas prendre de risque, on va prendre la loupe. Donc là c'est une fausse. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est une fausse? Je prends le canon que je vise vers moi. Ça me permet ensuite de pouvoir encore une fois rejouer. Et là, si je veux, je peux tenter de lui tirer dessus en espérant lui enlever une vie. Mais vu que j'ai pas de chance, et bah c'est pas le cas. Donc j'ai usé ma loupe pour rien. Et là, bah il a plus de chance de me niquer. Voilà, donc déjà il est un peu con. Il aurait pu tenter, mais non, il a pas pu. Ok. Évidemment, il se reprend une vie, il est pas teubé. Dis-moi qu'il va retenter de se tirer une balle. Je suis sûr, ça va être moi. Non, lui? Ouais, voilà. Il a usé son paquet de clopes pour rien. Ok. Donc déjà, il a plus de clopes. Donc ça, c'est pratique. Et il ne reste plus qu'une balle. Normalement. Non, il s'est tiré 2 vrais. Je lui ai tiré... Non, moi, je me suis tiré 2 fausses. Lui, 2 vrais. Il reste une vraie et une fausse. Donc je peux prendre le risque et me tirer la fausse. Oh putain, ça commence mal. J'ai pris le risque, j'ai pris le risque. Mais du coup là c'est lui qui peut me niquer. Oh putain. Oh non. Ah mais non. Voilà, non c'est bon, là il reste une vraie. Quoi? Attendez, je comprends plus rien là. Ah non, il y avait plus de vraie.
Ah, j'ai cru. Bref, au moins j'ai un paquet de clopes. Lui, il a une bière. Ok, donc il y a une vraie, une fausse. Ah là, c'est... Déjà, on reprend une vie. Je vais prendre la bière, parce que là, j'ai pas de loupe. J'aurais une loupe, ce serait plus simple. Ok, je peux la tirer sur moi. Voilà. Bon, au moins, on est sûr. C'était un peu un move de merde, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a un couteau, des clopes, et une loupe. Ok, parfait. Okay, donc 4 vrais, non, 4 fausses, 3 vrais. Ok. A chaque fois, je tente de me tirer dessus dès le début. Mais je vais pas le faire. C'est une vraie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a déjà gagné, en fait. On a gagné, là. Je peux prendre le canon scié. Et là, je peux le tirer dans la gueule. Hop là. Voilà. Déjà, première game, gagnée. Anus win. Et deuxième manche. Donc là, il n'y a plus une tête de mort, c'est une troisième manche directement. Donc alors, cette fois-ci. Ok. Clope, bière. Super. Lui, il a couteau, clope, bière. Trois vrais, trois fausses. Il a un couteau. Okay. C'est pas la merde, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Ok, j'ai jeté une vraie déjà. Si j'ai pas de chance, c'est que c'est officiel, je suis une des personnes les plus malchanceuses de ce jour. Enfin, ce monde, plutôt. Bah les couilles! Mais j'en ai marre, frère. À chaque fois, ça se joue à ça. Oh là là, j'ai encore fait de la merde. Bon, je vais essayer de plus me concentrer que ça. Ok, s'il te plaît. Mais lui, il a trop de chance. Voilà, c'est officiel. Bah voilà, bon allez, tire-moi, vas-y, tire-la-moi. Évidemment, évidemment. Non. Une chance, j'ai des clopes. Mais évidemment. En fait, lui, il est malin. Je sais pas comment c'est possible. Attention maintenant, bah. Ok. Ça a bugué ? Non, c'est bon. Ok, dis-moi que j'ai des clopes. Oh, des menottes. Bon, c'est bien, mais c'est pas assez, quoi. 4 vrais, 4 fausses. Ok, je vais essayer d'être plus malin cette fois-ci. Déjà, on fume. Parce que là, sinon, c'est la merde. Ce que je peux faire, c'est l'enchaîner. Boire les bières. Donc là, on a 4 vrais et 4 fausses. Ok. Donc avec les bières, j'ai... des pourcents, enfin des pourcents de chance, on va dire, de virer une des fausses et d'avoir plus de chances de tomber sur des vrais. Déjà, on va le menoter. On te menote. On prend une bière. Ok, on a jarté une fausse déjà. En vrai, c'est un risque à prendre. En vrai, les gars, je sais pas trop, là. Soit le pompe ou la bière. Si je prends la bière, je peux avoir la chance d'en jarter encore une fausse. Donc, il y a plus de chances que je lui tire une balle dans la gueule. Mais si je jarte une vraie, il y a encore des pourcents... Enfin, des pourcents... Bref, vous avez compris. Que ce soit une vraie. Allez. Elles sont là. On va les utiliser. Ok, yes. Mais quoi? Bon, au moins, il n'y a que des vrais maintenant. Sauf que c'est moi qui est plus dans la merde, putain. Je lui ai donné l'avantage. Parce qu'il sait qu'il va rester pratiquement que des vrais. Faites qu'il soit con et qu'il se tire la balle sur lui-même, s'il te plaît.
Quel fils de pute. Faites que... S'il te plaît. Faites que ce soit pas une vraie. Oh, t'as le seum. Oh, t'as le seum. Oh, tiens, je t'enchaîne carrément. Et là, je sais qu'il reste une vraie. Casse-toi. Voilà. Voilà. Là, en fait, non, ça va. Il aurait pu niquer avec le double canon. Enfin, avec le canon scié plutôt. Sauf que j'ai eu de la chance. Ça s'est joué à ça. Hein. Ok. Loupe. Loupe. Couteau. Ok. J'ai des loupes. Donc, ça, c'est bien. Donc, 4 vraies, 4 fausses. Encore. C'est ce qu'on va faire. Loupe. C'est une fausse. Je la tire sur moi. Nickel. Ok. On va encore utiliser la loupe. Vous allez comprendre pourquoi. C'est encore une fausse. Je la tire sur moi. Et là, les gars, si j'ai de la chance, c'est une vraie. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce nom là? Ok, troisième manche. Excusez-moi si je renifle, il fait un peu froid. Ok. Couteau. Bière. Clope. Loupe. Ok, parfait. J'ai 4 items différents. 2 vies. Ok, donc là. Ok, il est mort. Il est mort. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, c'est une vraie. Ok, j'utilise le couteau, il est mort. Allez, dans ta gueule. Voilà. Et là, normalement, il me propose si je veux doubler ou rien. Et moi, bien sûr, je veux doubler. Donc, on double. Et on repart à zéro. Donc, faut surtout, mais vraiment surtout pas que je me foire. Ah, lui, il a trop d'items. 3 vrais, 3 fausses. Ok, donc lui, je vois qu'il a quand même sacrément d'items. 3 vrais, 3 fausses. En fait, j'aimerais me la tirer sur moi et avoir de la chance. Sauf qu'à tout moment, j'ai pas de chance. Donc. Ah, je sais pas, le choix est rude. Vous savez quoi? Je porte mes couilles, mais là. Putain. Il est là le problème avec moi. C'est que je veux tenter, mais résultat, je perds. Et il me note. Bah, parce que lui, il a beaucoup trop d'items. Je sais pas comment il fait pour les gérer autant. Fils de pute, je suis mort. Non, j'ai perdu. Oh, j'ai trop le seum, j'ai juré. Bon, tout à l'heure j'ai vraiment mal géré. Donc là j'ai 2 loupes, 2 couteaux, une bière. On prend une loupe. C'est une fausse. On peut la tirer sur nous. Voilà. Comme ça, on rejoue. Et là, je serai prêt à utiliser la bière que la loupe. Donc, en vrai, on va prendre la bière. Yes. On n'a plus qu'à prendre le couteau. Et à lui tirer dans la gueule. C'est fou comment il a plein les items, lui. Hein. Il a je ne sais combien d'items avec lui. Maintenant. Ok, on a juste un paquet de clopes. Sympathique.
Donc deux vraies, deux fausses. La loupe. S'il te plaît. Ok, et bah... On n'utilise pas le couteau, il est mort, voilà. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vraiment fait que de la merde. Là, depuis tout à l'heure, c'est bon, j'ai refait une partie. Je suis un peu plus concentré que ça. Ok, deuxième manche. Ok, on a juste une bière. Et lui, il a un paquet de clopes. Évidemment, lui, il a le truc qui lui ramène de la vie. Deux vrais... Non, ouais, deux vrais, trois fausses. Ok. Bah attends, je vais plus tenter de tirer sur moi. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je tente ça, en vrai, je me dis ça sert à rien. Parce que, justement, c'est la pire chose à faire. Sauf que voilà, au moins il a plus de clope, donc au prochain coup je peux le baiser mais fort. Quoi? Mais évidemment. Et moi j'ai pas de clope. Ok, on va jarter les fosses. Voilà. Et là c'est soit j'ai de la chance. Soit j'en ai pas. Donc là si je lui tire dessus et que c'est une fausse, il va le prendre et me tirer la vraie. Si je me tire dessus et que c'est la fausse, j'ai de la chance. Sauf que moi je connais moi et ma chance. Mais bon, dans la vie il faut prendre des risques. Oh yes. Tu vas te la manger celle-là. Tu vas te la manger. Ah non non non. Il y avait que deux vrais, je suis trop con. Ah oh, je faisais le malin pour rien. Oh mais non, j'ai stressé, bah pour rien. Voilà. Donc là, une vraie, deux fausses. Déjà, je serais prêt à boire une bière. Voilà, déjà de une, on prend la loupe. C'est une fausse. On se la tire, on prend le couteau, et voilà. Et voilà, dégage. Ah, pour une fois, je réfléchis dans ma vie. Hein. Voilà, donc le canon réapparaît. On va pouvoir prendre d'autres items. Des clopes. C'est bien, des clopes, ok. Nickel. Déjà, je vais pouvoir me prendre une clope pour au moins réavoir une vie. Voilà. On va le piéger, il va pas jouer. S'il te plaît. Mais j'en ai marre. Pourtant tout à l'heure j'ai dit que j'arrêtais, mais j'ai quand même recommencé. Et là je vous jure, si je lui tire dessus et que c'est une fausse, je pète mon crâne. Putain, mais j'en ai marre. En fait, à chaque fois que c'est la fausse, c'est pas lui qui se la... C'est lui qui se la prend pas. Enfin, c'est lui qui se la prend, la fausse, ça m'énerve. Et il reprend toute sa vie. Ok, il aime. Et il est même pas joueur en plus. Je vais morfler. Mais quoi, mais. C'est aberrant. Non, c'est pas aberrant, c'est juste moi qui est nul à chier, mais vraiment. En fait, je fais vraiment toujours les mauvais choix, ça m'énerve. Je pense toujours être malin, mais pas du tout. De vrai, de fausse, ok. Déjà, on se prend une clope. La bière. Ok, il n'y a plus qu'une seule vraie. Si j'ai de la chance, mais s'il vous plaît. On lui met les menottes parce qu'à tout moment c'est la vraie, je me la prends, il peut jouer.
Donc pour éviter qu'il joue. Ok. Maintenant. Dans tous les cas, il se la prend. Dans tous les cas, il se la prend. C'est pas grave. J'ai bien fait de faire ça. Voilà. Dans tous les cas, il se la prenait. C'est pour ça que t'as des chicots pourris, mon gars. C'est à force de te prendre du plomb dans le crâne. Hein. Donc, j'ai juste un couteau. Ok, donc 4 vrais, 4 fausses. Oh, mais là, j'ai rien. J'aimerais bien te prendre tes items, mais je peux pas. Je tente plus, moi. J'ai bien fait, encore une fois. T'as pas de clope en plus cette fois-ci. Il met les menottes. Ça va me mettre dans la merde. Il a pas de couteau déjà. C'est bien. Ok, c'est une vraie. Balek. Enfin, Belek plutôt. Excusez-moi. Oh, Balek. Oh putain. Ok, non, là c'est la merde. Comment je vais me sortir de cette putain de galère? Il y a pratiquement que des fausses là. Donc si je me la tire, c'est la merde. Voilà, je suis voué à une mort certaine. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok. J'ai tiré une vraie. Il a tiré deux vraies. Il reste qu'une seule vraie. J'ai tiré qu'une seule fausse pour l'instant. Il reste une vraie, trois fausses. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes. Et c'est, s'il te plaît, faites que j'ai de la chance. Mais faites que j'ai de la chance. Là, si j'ai réussi, je suis trop bon. Yes! Oh là là là, mais le plaisir! Non, ta gueule, mec! Dernière manche. C'est là que tout va se jouer. La somme énorme. Ok. Clope menottes. 4 vrais, 4 fausses. Et la musique qui en jaillit. Yes. 1. Yeah, yeah. Ok. Non. Je prends pas le risque. C'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu veux. Ok. Mais évidemment! Évidemment! Il a trop de chance. Et moi j'ai pas de clope. Je prends encore une balle, c'est la merde. Et c'est quoi, vas-y? Hey, prends tes menottes, me casse pas les couilles. Je vais faire que te tirer dessus, mec. Voilà. Nique ta mère. Tu m'as saoulé. Et là, je te promets, mec. J'ai moi-même la tirer. Mais j'ai plus qu'une vie, je prends pas le risque. Donc du coup... Putain... Il va se remettre de la vie, mais quel fils d'up. Et c'est moi qui va se la prendre, je vais encore perdre. En live, je crois que j'avais réussi en plus, s'il te plaît. Faites. Non. Oh yes. Yes. Oh, mange-la toi. Yes. Oh là là, merci. Merci. Oh là là, mais j'ai eu trop de chance. Non. Quoi? Il restait une vraie. Oh non, frérot, j'ai trop le seum. Bon bah les amis, malheureusement, j'aurais pas gagné une somme de ouf. Ça me fout vraiment le seum. J'ai vraiment pas eu de chance sur la fin. C'est officiel, je suis vraiment mauvais.
J'ai pas de chance, c'est un truc de fou. Après, bien sûr, je sais très bien que je ne serai pas le seul à mourir de cette façon-là. Hein. J'ai essayé vraiment de réfléchir, de me dire comment pouvoir faire en sorte de le défoncer. Mais malheureusement, il a été gagnant sur ça. Du coup, j'ai perdu. J'ai énormément le seum, mais vraiment. Mais malheureusement, je ne peux pas non plus continuer trop loin. Hein. J'ai d'autres choses à faire, justement d'autres vidéos à préparer et tout le tralala, vous avez compris. Mais en tout cas, si vous voulez une partie 3 de Buckshot Roulette, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça ferait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, lâchez un gros like, dites-le moi en commentaire. Le lien de mon serveur Discord, Instagram, TikTok et Twitter en description. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. C'était Iso et je vous dis à la prochaine.